Alorap.com, bonjour les amis, c'est aujourd'hui le 31 décembre 2020 et c'est ce jour si particulier que j'ai choisi pour faire une première écoute du dernier album de Chronique. Qu'est-ce que c'est que l'album de Chronique? Eh ben, je vous invite à aller sur l'anomalie bandcamp.com. Donc c'est du rap de Bordeaux. Et voilà, vous devez vous demander qu'est-ce que j'ai à voir avec Bordeaux. Je vous dirais simplement que j'ai un pote qui m'a fait découvrir il y a quelques années L2B. Donc voilà, ça suffit pour vous dire que je m'y connais quand même. Alors plus sérieusement, voilà, Chronique, qui faisait partie avant du groupe 1984, a fondé un label avec un acolyte. Ils sont plusieurs. Bon, ben, il y a un beatmaker, il y a un autre rappeur qui a rejoint il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Mad Sync, qui n'est pas mauvais. Donc moi, si vous voulez, cet album-là, il s'appelle donc Le Jour d'après. Cet album-là, je l'ai un peu loupé pour différentes raisons. Et finalement, je me suis dit, merde, Chronique, qui est quasiment mon rappeur préféré français, pardon, a sorti un album il y a quelques temps. Et j'ai loupé complètement le truc. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une première écoute et je vais vous dire mon ressentiment directement. Parce que je sais que lui, en général, il a des prods qui font mal, il a des textes qui font très très mal. Et voilà, on est le 31 décembre et je trouvais que cette date était parfaite pour, on va dire, faire honneur un petit peu à cette année de merde. Alors, voilà, Chronique, si vous voulez, c'était déjà un rappeur qui dénonçait la dérive mondialiste. Avant même qu'elle nous éclate à la figure avec ce Covid, en fait. Alors c'est pour ça que c'est important de lui rendre hommage. On va tout de suite commencer donc par tout simplement Le doigt sur la gâchette, qui est le premier titre. Allez. Putain, l'instru. Donc là, quand il dit plaquette de Plaquenil, on comprend que le titre a été fait après le mois de mars ou pendant le mois de mars. Donc voilà, ça nous donne une indication temporelle, c'est intelligent d'avoir mis ça là, dès la première chanson. Vous voyez déjà que c'est pensé. Par la science disparue en une seconde, maintenant tu lèves les bras au ciel, cherchant un peu d'espoir, mais la réponse sera cruelle, comme dans un abattoir. Le diable s'invite, j'ai le béret en bandoulière, quand je débarque sur le beat, l'ambiance est mortifère, on prolifère. Comme de la mauvaise herbe, l'anomalie c'est hardcore, comme un gant de serpe, j'ai coupé les langues fourchues qui ne soufflent que le faux, comme dans le chétane de Chapiro, ça finira les lèvres cousues, une bassosse. Donc je vous laisserai découvrir cette chanson dans l'album, j'ai pas envie de me faire striker par YouTube. Peut-être que si je mets pas les chansons en entier, j'ai plus de chance. Mais en tout cas, on va dire c'est une intro sympathique, mais genre qui te met un petit peu l'eau à la bouche. Voilà. C'est que tu sens que ça va balancer dans l'album, mais là, tranquille, c'est une petite intro sympathique. Ça envoie du steak, mais à mon avis. Dans l'album, il va y avoir des patates dans la gueule. Le genre d'instru qui te. Voilà, par-dessus avec des textes bien complotistes. Alors la deuxième chanson s'appelle Classique avec un certain Argot. Je ne pense pas connaître, parce que pour la suite de l'album, Déserteur, je connais. M Action, ça ne me dit rien. Ozro non plus. Mad Sync, que je connais, j'ai dû entendre une piste de lui, donc je suis rassuré, je connais le bougre. Mais en tout cas. C'est bien qu'ils fassent un peu connaître d'autres MC de la région et tout, c'est des mecs, ils s'entraident les uns les autres et je trouve que c'est cool. Et il y a un bon petit terroir de côté de Bordeaux. Bon, on a connu Seth évidemment, je crois qu'il est basque. Mais bon, moi j'ai connu dans le temps la L2B, c'était sympathique. Mais bon,
Voilà, on va tout de suite enchaîner. C'est très horrorcore. De tiens-leur sur ton deathcore. En concours du plus court, ils veulent tous être plus forts. J'écris comme une machine et je les calcule même pas, car leur délire c'est de faire de la peinture avec les doigts. De l'art marchand pour bobo, des secrets matérialistes arrogants qui veulent capitaliser pour se remplir de vide et jouer les belles amies. Alors appelle-moi le style qui met fin à la tyrannie. J'avale leur fluence des médiocres et leur discours de tiède. J'ai sorti le monocle car je me suis trompé d'époque. On a tordu le socle jusqu'à ce qu'il cède. Et j'attends la pièce maîtresse que sera le Ragnarok. On défend le passé, le présent et le futur. On a saisi leur bouillie avec notre mixture. Leur poids leur rap comme des soliloques. On les découpe là avec du boom bap bass lock. On défend le passé, le présent et le futur. On a saisi leur bouillie avec notre mixture. Leur poids leur rap comme des soliloques. On les découpe là avec du boom bap bass lock. Je vais commencer par un truc classe, pas trop indécent. L'art c'est comme la merde, chacun son point de vue et ça se sent. Du KFC en boîte, aussi bonnard qu'appétissant. Cultivant des causes devant l'intelligence, des illusions appétissantes. Quelques millions pour un coup d'élite, qui fiscalise les riches, remplit les mises des bitches. Je suis un peu kid, c'est vrai, je te l'accorde au white man. Je laisse parlementer des heures devant un monochrome de white man. Un bronze sur un carré blanc, définit bien le monde de vanité, délire, égo, sa parenté, mais carrément. Regarde la vie par un anus pendant que les gosses sont trafiqués, subissent les hauts, les bas, les fluctuations. On défend le passé, le présent et le futur. On a saisi leur bouillie avec notre mixture. Leur poids, leur rap comme des soliloques. On les découpe là avec du boom bap bass lock. On défend le passé, le présent et le futur. On a saisi leur bouillie avec notre mixture. Leur poids, leur rap comme des soliloques. On les découpe là avec du boom bap bass lock. Là, dès le deuxième track, ils ont mis le paquet. Je me doutais bien que l'intro, c'était un petit peu gentillet, voilà, amuse-gueule, parce que franchement, tu te dis, voilà. Mais là, là, franchement, elle s'appelle Classique. On aurait presque dit un hommage à Assassin avec son titre Classique, qui était écrit avec un K, mais là... Alors, on découvre Argot, et franchement, ça m'a... J'étais choqué. Dès qu'il a commencé à rapper, j'ai reçu un choc. Donc ça va, Argo, il fait honneur à l'album. Déjà, il est en piste 2, donc il avait intérêt de ne pas faire tout foirer. Donc c'est bon, il a ramené ce petit accent du sud, là. Et puis cette, comment dire, cette authenticité dans le flow caractéristique des mecs qui savent rapper au milieu de l'underground, des freestyles et des rap parties, quoi. C'est pas de la rigolade. Donc franchement, il n'y a pas mieux dans le rap. Voilà pourquoi, franchement, mais il n'y a pas mieux. Franchement, écoutez, déjà, ça nous rappelle la bonne époque. C'est fait avec le cœur, c'est bien fait, c'est recherché, c'est des bêtes d'instru, tu peux les écouter en boucle. Moi, ce que j'aime bien chez Chronique, depuis qu'il travaille, en fait, c'est que ces instrus, à chaque fois, peut-être pas toutes de celles de 1984, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas que lui qui travaillait dans le truc maintenant, mais j'ai l'impression que maintenant que Chronique s'investit plus un petit peu dans le choix artistique des mélodies, tu prends presque toutes les chansons, tu peux les écouter en boucle. Même si elle est passe-partout, la musique, elle ne va pas te saouler. En fait, il n'y a aucune de ces musiques, elle saoule, en fait. C'est toujours des instrus, tu peux les écouter, et en plus, elles sont bien complotistes. Des musiques qui te... Tu sais, qui te... Vraiment, qui te donnent la arme contre l'État, qui te donnent la force de te battre, de jeter des cocktails Molotov. C'est vraiment de la musique, tu peux l'écouter en boucle, parce qu'elle va te donner la patate en disant « Putain, on est confiné, va te faire le cul, on est confiné, c'est... » Voilà, j'écoute ça, j'ai la rage, tu vois un flic dans la rue, t'as envie de le péter. C'est ça, le truc. Mais on a perdu ça. Maintenant, les mecs, quand ils rappent pour montrer leur Ferrari, je suis désolé, ça donne pas la rage. Ça donne le seum, ça te donne la jalousie, ça te donne tout ce que tu veux, mais ça donne pas... Lui, Chronique, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous fait avancer mentalement. Et c'était ça, le message originel du rap qu'on a perdu au cours du temps. Mais à notre époque, en 2020, il y a encore du bon rap français, mais c'est pas simplement, je veux dire, il y a du bon rap français, c'est du putain de rap, quoi. C'est du rap, c'est lourd, ça devrait être ultra connu, ça devrait être ultra médiatisé, ça devrait... ça devrait faire comme à l'époque du NTM ou du Assassin, ça devrait... Mais ça passe inaperçu, ça me rend malade. Ça me rend malade que ça passe... Enfin, inaperçu, dans l'underground, les gens, ils connaissent très bien, mais je veux dire... Ça me rend malade qu'il n'y a pas une effer... y a pas des milliers de vues. Là, ça mérite des millions de vues. Oui, je le dis bien, ça mérite des millions de vues sur YouTube, ce genre de titre. On va passer à la suite parce que je suis en train de m'énerver. Donc là, la prochaine chanson, c'est Empire et Décadence. Donc rien que le titre,
J'ai envie de jeter un cocktail Molotov sur la gueule des connards. Voilà, donc dans la pure tradition de ce que pouvait faire Seth, c'est-à-dire des textes, j'ai envie de dire médiéval, je ne sais pas comment dire autrement, c'est l'adjectif qui me vient un petit peu à l'esprit, et en fait j'ai envie de dire chronique, je pense que c'est un très grand narrateur aussi au niveau de ce qu'il fait, et franchement je le mettrais au même niveau sans aucune discrimination. Avec ah putain, comment il s'appelle, celui qui est dans le Chronique de Mars. Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Faflarage, voilà. Franchement, dans Chronique de Mars, Faflarage, il fait une chanson qui s'appelle Chasse à l'homme. C'est un narratif qui est extraordinaire, en fait. Et ben, je pense que Chronique, et Seth aussi, mais plus Chronique, je le vois, parce qu'il a un flow. Plus agressif que 7. C'est ça que je préfère. Je préfère à la limite un flow plus 7, c'est plus mélodieux ce qu'il fait. Mais Chronique, regardez bien son flow. Il est capable de décrire des situations, de faire du narratif, tout en étant agressif. Et c'est dur d'allier les deux. Et donc il garde un petit peu son impact, je veux dire, comment j'ai envie de dire, revancharde dans son flow. En fait, Chronique, il a un flow de revanchard, c'est-à-dire. C'est la rage de l'humanité qui s'exprime contre l'oppression, mais il est capable aussi de te sortir des mots corrects. Et là, c'est le parfait témoignage. Des scratchs comme à l'époque de Seth dans ses premiers albums et compagnie, où c'est Seth qui a remis un peu les scratchs dans ma mémoire, c'est ça que ça, dans ma mémoire à moi, ça fait référence à ça, quoi. C'est-à-dire que les scratchs de 1984, il y avait eu des scratchs, mais quand même. Pas assez selon mon goût. Et là, justement, plus les albums passent dans son nouveau label, plus les scratchs sont employés, plus les instrus sont travaillés. En fait, il s'améliore vraiment. Et je pensais qu'en sortant de 1984, justement, il allait perdre un petit peu toute cette aura. Non, en fait, il est en train de la regagner petit à petit. C'est sûr que les premiers albums faisaient plus, comment dire, strict, sans fioritures. Et petit à petit, il agrémente. Là, on sent que là, cet album-là, commence à s'étoffer avec un petit peu plus de technique, un peu plus de maturité, d'expérience. Parce que bon, il y a eu le coup d'État qui était très très bien, vraiment très très bien. Avant coup d'État, voilà, c'est vraiment un coup d'État, l'album coup d'État de décembre 2019, là. Vraiment, voilà, on sent que ça va être ça, comment dire, la patte artistique à venir. Et que maintenant, voilà, il a trouvé son rythme de croisière dans son propre label, et là, il monte encore d'un cran, c'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de ce qu'il faisait dans le coup d'État, là, il recherche il va plus loin dans la recherche, donc on va aller avec la prochaine chanson qui est avec Déserteur, vous allez voir, il a un flow de ouf,
Donc si j'entends un truc qui me rembarge et qui me donne envie d'avoir la rage, vous verrez, je ferai des fucks. Si jamais ça parle de police ou de je sais pas quoi ou d'Illuminati, je vais péter un câble. Oulala, ça commence mal. Oulala, la putain de... On aurait dû simplement dire non, c'était tellement prévu. Un déserteur. On a compromis le monde, le virus en rayon, la mort à petit prix, des cancers en promotion, consumer la frénésie, capital en féerie, l'arrogance s'affédère, sans flatter nos faiblesses, l'opulence en fébrile, terre stérile, l'éternité thermique, à fort le bénéfice, tout était perdu, leur dette imaginaire a fracturé le réel, à quelle adresse la facture d'un paradis fiscal. On dirait que l'air pur est rare comme le cristal. Des fois tu respires, des fois c'est la cristasse. On se demande souvent à quel moment l'homme a sombré dans la folie aussi facilement que le vent souffle. Elle fait partie de nous, elle est monnaie courante. Je crois bien qu'elle nous étouffe et fait naître le tourment. Dehors c'est l'horreur, phénoménal fléau. Y'avait peut-être une erreur dans le théorème zéro. Crois-moi que les héros, ça court pas dans les rues. On survit dans l'ombre, promesse dans les urnes. De ruines en décombre, dans leur paradis noir. Putain, ce qu'elle me fait peur, se replier dans le miroir. Debout grâce à l'instinct, adieu l'humanité. Écartez vos distances, ce n'est pas de communauté. Ça n'a rien d'en départ, ainsi sonne le glas. Le chant du signe d'un homme sans renouveau. Crois-moi, personne ne s'en relèvera. Calcul et conclusion amène au théorème zéro. Ça n'a rien d'en départ, ainsi sonne le glas. Le chant du signe d'un homme sans renouveau. Crois-moi, personne ne s'en relèvera. Calcul et conclusion amène au théorème zéro. J'avance. Bon, je vous avais prévenu que déserteur, déjà, bah, il va faire déserter des petites putes, mais j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est moi qui psychote, mais à chaque fois qu'il est là, ça donne une chanson à thème où il va falloir à plusieurs écoutes. Là, vous vous rendez compte que cette chanson, c'est une chanson, il va falloir l'écouter, l'écouter, et petit à petit, elle va vous pénétrer, parce que, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que quand il y a déserteur, parce que ce n'est pas la première fois qu'il se pointe sur les albums de Chronique, j'ai l'impression que quand il vient, tout de suite, ça va faire un truc un peu... Je sais pas comment expliquer, un tiroir, un truc, voilà, c'est pas tout de suite, c'est pas des punchlines directs, mais c'est plutôt, genre, il va te falloir te creuser un peu les méninges et machin, et j'adore ça. Franchement, pareil, c'est un peu comme on dit, le taux de rejouabilité dans les jeux vidéo. Bah, un album comme ça, il y a un taux de réécoute qui est phénoménal, quoi. C'est-à-dire que c'est des albums, tu peux les réécouter, les réécouter, les réécouter, et à chaque fois, tu captes un truc supplémentaire. Donc ça, c'est un point. Donc là, on est à la chanson numéro 4. Il n'y a aucune critique, ne serait-ce que même en me cachant derrière un arbre, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc on va aller dans un titre où il n'y a pas de featuring. Donc là, à mon avis, ça peut faire mal aussi. Parce que genre, c'est. Voilà. Et là, quand tu vois le crépuscule des idoles, je sens que je vais le faire, ce putain de fuck à l'état. Vous allez voir, je vais faire un fuck bientôt. Dès qu'ils vont m'énerver. Des fois, je vais m'énerver. Ça y est, je suis vénère là, je suis vénère, putain! Démocratie, démocratie, répétée comme un mantra. Nos flammes qui créent la foi dans les ruines de nos vies. Pour diviser, y a du monde, avenue de l'opéra. Qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je crépuscule des idoles. Pour diviser, y a du monde, avenue de l'opéra. Qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu C'est le lavage de cerveau, ce qui te réveille, c'est le coup de gueule de Jean Pierre-Pernaud. Grâce à tes impôts, tu regardes Arthur vers le vitre. Doux comme un agneau, tu t'assommes avec tes litres. Crépuscule de la conscience, et gloire à l'idiotie. Apollon de Malherbe et le tabac à son génie. Corbini devient la police de la pensée. Attention à ce que tu.
raser la question de leur financement pour diviser. Y'a du monde, avenue de l'Opéra, qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je concrépuscule des idoles. Pour diviser, y'a du monde, avenue de l'Opéra, qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je concrépuscule des idoles. J'ai bien tout compris, alors j'ai jeté ma télé. C'est pas Anne-Sophie Lapix qui va m'informer. Des chiens de berger pour des bêtes de patience. Français, je veux du bien, des certitudes seront sommes. J'ai pas de son à recevoir de Patrick Cohen. Y'a Max, Zemmour et leur troupeau de hyènes. Je crois bien que j'en aime encore, c'est sujet de leur maître. Et je crois bien qu'ils s'entendent au sujet de leur maître. Insulter les Français, c'est ça leur fond de commerce. Du média aux un rock, ça se garde de controverse. Notre jour viendra, sache qu'ils redoublent. Ils ont tous des gueules de traîtres comme Roudel criait. Pour diviser, y'a du monde, avenue de l'Opéra, qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je concrépuscule des idoles. Pour diviser, y'a du monde, avenue de l'Opéra, qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je concrépuscule des idoles. Ah, merci, 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 ça fait du bien. Et putain, là, quand j'ai entendu crever les yeux, gilet jaune, allez, putain, fuck. Et là, j'étais vénère, j'aurais pu aller jouer au rugby, j'aurais pu aller me battre. Je cherche la bagarre. Sérieusement, franchement, sans déconner, quoi. Là, il a tout dit, c'est parfait, c'est les Rutel Krief, les comment il a dit, ah, franchement, il a balancé trop de noms, putain, c'est... Le Cohen, oh là là, Anne-Sophie Lapix et tout. Mais franchement, j'aimerais trop qu'ils écoutent parce que franchement, ah ouais, franchement, ça me ferait trop plaisir. Que comme ça, genre, sur un plateau télé, il y a un mec, il arrive et fait écoutez, Anne-Sophie Lapix, il y a des artistes qui vous aiment bien et ils ont fait une chanson sur vous, écoutez et tout. Là, franchement, ce serait le gros blanc. Tu sais, je la vois bien dans une émission comme ça, cette affaire-là, genre, avec Ruquier en direct, là, elle serait là. Ah, et oui, du rap de Bordeaux, et qui t'encule. Mais franchement, non, mais là, c'est masterpiece, c'est chef-d'œuvre, voilà, c'est cadeau. Là, franchement, il n'y a rien à ajouter, quoi. Même, franchement, si je parle, ce serait comme de la bave de crapaud. Ce que vous avez entendu de vos oreilles est suffisant. C'est parfait, c'est nickel, c'est du bon boulot. Denis Balbi, Eugène Saccomano, voilà, c'est carré propre. Voilà, rien à dire. Donc là, je vais enchaîner parce que, franchement, ils m'ont énervé et je pense que je vais encore m'énerver avant la fin de la chanson. Mais en tout cas, voilà, je vous avais dit, il est tout seul sur une chanson. J'ai dit, vous savez, moi franchement, j'ai jamais écouté l'album, hein, je vous mens pas, la vie de ma grand-mère. Hein. Je lui ai dit, ça va faire mal. Hein. Il est tout seul, ça va faire mal. Parce que là, il y avait quasiment que des... Jusqu'à maintenant, que des featuring, à part Empire et Décadence, qui étaient plus médiévales. Je me suis dit, là, Crépuscule des idoles, il va attaquer les idoles. C'est ça que ça veut dire dans le titre. Et t'as ce qu'on te promet, en fait. T'en as What You See is What You Get. Le titre, il te dit voilà, déjà l'instru monumental, mais je sais pas comment ils font pour produire des trucs comme ça, ils vont, mais c'est des Dr. Dre les mecs, je sais pas comment ils font, mais putain expliquez-moi, les mecs c'est pas des, ils ont pas des matos de ouf et tout comme je sais pas qui moi, comme ils ont pas le studio IAM. Quand tu vas chez Akhenaton, tu te dis mais le gars c'est un cosmonaute, il a tout ce qu'il faut, il a des trucs, des SPC des 20 000, 30 000. Le mec, voilà, c'est du rap underground de Bordeaux, et t'entends les instrus, et tu dis, mais c'est pas possible. Ils ont fait quoi? Ils ont fait l'opéra, ils ont fait, je sais pas, ils ont fait le conservatoire, ma parole, mais c'est de la... T'as entendu l'instru? J'avais les larmes aux yeux. Oh putain. Ouh. Bon allez, 666, je pense qu'on va enchaîner sur des... On va enchaîner sur des choses un peu plus réalistes, j'ai envie de dire. Allez. Monsieur Action. Alors c'est Monsieur Action. Alors rap.com enculé. Parlons un peu MK Ultra, contrôle mental, dissociation de l'air et du combat. Et puis d'état profond. Mais c'est le 9e cercle, le royaume de Satan. Cabale, cannibalisme, torture et viol d'enfants. La scène dont on lavait, un exion au Mexique, t'es aveugle car ils en font l'apologie dans leur musique. Le unit, la pyramide et le 666, soit je délire, soit c'est
des horreurs de ton niveau d'espoir. C'est faire une erreur de croire ces gens comme toi et moi. Je te parle pas des bimétales, mais bien de Walt Disney. Qu'est-ce qui pousse à ce liste à défendre le landais? Je te garantis qu'en creusant, c'est pire qu'un wedge pour les disciples de Moloch. J'ai du plomb comme antidote. Il n'y aura jamais assez d'un exorciste. Nos élites sont remplies de pédosatanistes. Si je te donne. Ah, j'ai déjà entendu, ouais, je le connais. Je le connais. Nos élites sont remplies de pédosatanistes. Si je te donnais quelques noms, tu n'aimerais pas ma liste. Ah, je l'ai entendu, je le connais, Monsieur Action, il a dû faire un feat. C'est pas mon genre de flow préféré. Voilà, moi en général, les flows de ours mal léchés, c'est difficile pour moi à écouter. Moi j'aime bien les flows tranchants, mais bon, après, tous les goûts sont de la nature. Mais là, je vous renvoie à une de mes précédentes vidéos, là, parce qu'il parle de pédophilie, et j'ai fait une excellente vidéo, sans vouloir me jeter des fleurs, il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube, concernant justement SK Screw. Qui sont des rappeurs qui font beaucoup, pas mal de sons contre la pédophilie, ils font des trucs assez recherchés, donc je vous renvoie vers cette vidéo, parce que c'était vraiment intéressant, les réseaux pédophiles et tout ça, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui en parlent. En tout cas, là, ils parlent, dès le début, ils parlent de MK Ultra, donc qui étaient les expériences qu'ont mené la CIA sur les gens, ce qui était, comment dire, un viol des droits de l'homme, c'est même pire qu'un viol, c'est une sodomie des droits de l'homme, quoi. Et ils ont des trucs comme ça, il faut toujours les rappeler parce qu'on les oublie. Moi, franchement, le matin, quand je me lève, je pense pas à MK Ultra. Ben, c'est bien qu'on me le rappelle de temps en temps. Ben, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que les Américains ont fait. Ils ont fait des trucs. On les soupçonne même d'avoir empoisonné toute une ville là. En France, hein, ils ont même. La CIA est soupçonnée d'avoir fait des trucs en France même. Enfin, c'est des dossiers, tu mets le bras dedans, tu dors pas de la nuit, hein, sans déconner. Hein. Et c'est bien que des gens viennent travailler. Moi, j'estime que Chronique. Il vient y faire un travail de rafraîchissement de nos mémoires ou de nous apprendre certains sujets parfois. Par exemple, moi, à un moment donné, j'étais pas trop sûr Attali. Hein. Je m'en foutais un peu de sa gueule quand je le voyais et tout. Puis, je dis, il a mis une photo d'Attali sur son Facebook et ça faisait un petit peu genre qu'il est sataniste, Attali presque. Mais moi, je le connaissais mal. Et après, en m'intéressant au personnage, vu ce qui se passe en 2020 et que Attali avait tout prévu, enfin, avait prévenu il y a 20 ans sur les plateaux de télé que ce qui allait se passer aujourd'hui, ça allait se passer. Il y a de quoi péter un câble en fait. Hein. Et Attali, donc c'est un personnage central du pouvoir, etc. Lui, c'est lui qui m'a orienté là-dessus. Donc avant même que moi je m'y intéresse. Donc franchement, on ne peut pas dire que, voilà, au niveau documentation, on ne peut pas dire qu'il fait mal le boulot, bien au contraire. C'est toujours très recherché ce qu'il dit. C'est même. Moi, je suis même impressionné parce que les rappeurs d'aujourd'hui ne savent plus de quoi ils parlent, ils parlent de n'importe quoi, à part peut-être un Freeze Corleone qui balance pas mal de références, mais là, c'est pas simplement de la référence, c'est construit derrière les thèmes des musiques, c'est pas simplement du name dropping, il s'agit pas de te dire MK Ultra, machin, c'est du bon boulot, et voilà. Donc on va passer à la suite, qui s'appelle Étoile Filante, featuring, alors ça franchement, j'ai l'impression de pas le connaître. Moi, en fait, j'ai du mal à reconnaître tous les noms. Hein. Faut bien avouer ce qui est. Je suis un peu une quiche. Voilà. On va quand même écouter, même si je suis une quiche. C'est pas grave. Ah, je me vois bien sur un vélo en train de pédaler là. Tout commence dans une chambre ouvragée entre ce mélange, une dernière gym qu'on dans la cendre et tout présage de la maison. Tout paradoxe pour si peu de chien. Alors le soir, je reviens lumière, un rayon de soleil dans la boue. Et le jour de ma mort, je ne deviendrai plus. Et je voterai au fil des vents, là où nul ne peut m'attraper. Avant de rejoindre le néant, j'ai des combats à terminer. Ainsi, je recharge mon stylo, un peu de révolte dans chaque cartouche. Tu peux augmenter la sono. Si t'es Dieu que mon arc, je verrai mon rat prospérer. Tu veux connaître ce procédé, j'attends juste à cœur ouvert comme celui qu'on vient d'opérer. Pour vivre, on a chacun son plan, même si dehors ça pue sans plan. Je veille de ceux qui font semblant, quand des textes pleins de sang fond. Et la nuit, je parle aux étoiles, ma première source d'inspiration. La voie lactée, une sorte de toile qui vulgaire à contribution. J'écris demain pour rien de ses faces. Peut-être que je m'anime à mes peurs, cherche pas d'humain derrière le masque. Je ne suis qu'un animal lecteur. À l'horizon, il n'y a que ta tragédie, avoir raison. C'est pire qu'une maladie, la vérité ne se dit pas, mais elle s'apprend. La liberté n'est pas un dieu, elle se défend. Bah rien que là, c'est bon. Avoir raison, c'est comme une maladie. Mais c'est des trucs, je sais pas quoi dire. Là, on a parlé pas mal des instituts depuis le début, mais il faut dire que franchement, au niveau lyrical, moi franchement, je vous dis, si le rap venait à marcher un jour, moi je le sponsorise.
Ce mec-là, je le fais monter millions de vues, mérite, et puis que grâce à lui, on pourrait mettre à néant le mauvais rap français qui fait honte un petit peu à la France, quoi, et au rap. Là, franchement, ceux qui disent que le rap est mort, bah venez, venez, parce que là, franchement, je vais vous péter la gueule, hein, c'est pas la peine. Donc voilà, donc ça, c'est une chanson, c'est moins ma came, c'est plus tranquille. Bon, bah, c'est un peu pour faire respirer, voilà, dans un album, on ne peut pas tabasser, caillasser tout du long. Hein, c'est comme dans les manifs, par moments, y a des jours où ça se calme, puis ça revient en force. Et là, clairement, c'est le genre de titre qui va pas te donner envie de mettre le feu au Poulaga, mais bon, il en faut des titres comme ça. C'est pas ma came, mais il en faut. Il en faut. Mais là, Dissident, la prochaine, je pense qu'il va pas enchaîner deux chansons molles d'affilée. Ça m'étonnerait. On va voir si j'ai raison. Ça commence bien, hein? Ah, quoique. Vénère ou pas vénère? Le film parle de toi, de moi, de nous, et je devine qui pliera, qui manquera de courage, par peur d'être seul, qui fermera sa gueule face à leur chantage, face à tous ces champions de la victimisation. On se sent même coupable de toute la pollution, oppression systémique et autres concepts vaseux. C'est la victoire des lombrilistes et de leurs désirs vicieux. Cette apparente bienveillance qui sonne un peu trop faux, des justiciers de la bien-pensance qui ont déposé le cerveau, qui t'insultent de façon dans leur être grandiloquent. Ils détestent la famille, leurs idéaux sont mortifiants. Cette apparente bienveillance qui sonne un peu trop faux. Des justiciers de la bien-pensance qui ont déposé le cerveau, qui t'insultent de façon dans leur haine grandiloquente. Ils détestent la famille, leurs idéaux sont mortifiants. Je suis déformaté, suicidé socialement. J'ai tout envoyé valser pour faire du sang dissident. J'ai vu derrière le rideau, tu peux garder ton baratin. Découper mes riches et pas ton champ, tu bordes. Je suis déformaté, suicidé socialement. J'ai tout envoyé valser pour faire du sang dissident. J'ai vu derrière le rideau, tu peux garder ton baratin. Découper mes riches et pas ton champ, tu bordes. Reste bien dans les clous et intègre la doctrine. Ah, franchement. Ce que je viens de prendre conscience d'un truc en fait là, c'est que tout simplement, ok, le rap n'est pas mort, mais il a réactualisé le rap en fait. C'est-à-dire il fait correspondre, comment dire, à l'ambiance médiatique de notre époque, un rap qui lui mérite. Pourquoi? Bah, en fait, par exemple, je vais donner un exemple. Dans le temps, c'était les Bernard Pivot, c'était comment dire, les émissions, machin. Et là, maintenant, il réactualise en reparlant, bah, justement, de ce qui se passe avec la victimisation, etc. Et puis, il parle aussi des woke, des machins. En fait, il parle vraiment de notre époque, et le rap est là pour ça, quoi. C'est-à-dire que ce que je reproche à certains rappeurs actuels, c'est de ressasser les thèmes. Alors, soit c'est de repartir dans des nouveaux thèmes qui n'ont rien à voir avec le rap, c'est-à-dire très, très capitaliste. Ou soit ressasser un petit peu ce qu'on faisait dans le temps, alors que voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut coller à notre époque, il y a des sujets, il faut les prendre à bras le corps, et c'est pas facile. Parce que, rendez-vous compte, comment avoir une instru vénère, avoir l'air vénère, en parlant de sujets actuels? Ben voilà comment il faut faire. Et c'est pas facile à faire. Et ouais, c'est pas facile, il faut avoir du talent. Parce que là, on passe d'un artiste, d'un rappeur, à quelqu'un qui pourrait même être un porte-parole de notre époque, et même. Genre à Daniel Balavoine quelque part. J'essaie de vous trouver les mots. La limite est mince entre l'artiste qui va faire son taf, voilà, il va faire son truc. Même des fois ça peut être méchant, ça peut être machin, mais voilà. Mais là ça va plus loin. C'est-à-dire que vraiment ça colle bien à notre époque à un tel point que c'est la réponse à notre époque. C'est la réponse. Alors quand je vois des rappeurs parler de conneries, parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Ça requiert du talent. Et c'est ça le truc. C'est que c'est toujours plus facile de prendre un vocodeur, voilà, de mettre 2-3 bimbos dans son clip, puis de parler de conneries. Bah c'est sûr, ça requiert beaucoup moins de talent. Voilà. Et là, c'est clair que là, on a vraiment mise à jour du rap dans ce qui doit apporter au niveau conscient, c'est-à-dire le rap conscient. Qu'est-ce que doit être le rap conscient actuellement? C'est pas le rap conscient qu'on avait avant. On peut pas resservir aujourd'hui, comment dire, la même naïveté que pouvait avoir le rap conscient d'avant. Là, le rap conscient est à l'image de ce qu'aujourd'hui est le monde connecté. Aujourd'hui, on est connecté, c'est-à-dire que
Les gens ne peuvent plus nier l'existence de thèses complotistes, même s'ils n'adhèrent pas, ils sont obligés d'en avoir connaissance. Quand on leur dit MKUltra, voilà, quand on te dit quelque chose aujourd'hui, tu peux aller vérifier par toi-même. C'est vrai que dans le temps, un rappeur dans les années 90 te balançait un truc, tu étais obligé de le croire sur parole. Tu vois? Si moi, quand j'écoute, je me rappelle, j'écoutais du Assassin dans les années 90, il te balançait un truc, il disait ouais, la couche d'ozone, machin, bon, bah, j'étais obligé dans ma tête de dire la couche d'ozone, c'est grave, machin. Et on voit finalement qu'on s'en est sorti sur ce niveau-là et peut-être pas sur le carbone. Donc tu vois, le truc, c'est qu'aujourd'hui, si lui il dit un truc, soit j'en ai déjà entendu parler, ou soit je peux aller vérifier. Donc, je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a des rappeurs comme Freeze Corleone et tout ça, c'est des rappeurs qu'encouragent à googler. En fait, même lui, si tu veux, ça encourage à aller faire des recherches. Parce que tu peux le faire tout simplement. Tu peux aller à la source, un nom que tu connais pas. Il va te dire, ah tiens, bidule, voilà, bah tiens, tu vas voir. Que dans le temps, tu ne pouvais pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi le rap va pas vers plus quelque chose comme ça, de pousser les gens à s'instruire, en fait, quelque part. Parce que du coup, tu vas gratter les sujets par toi-même, etc. C'est vraiment incroyable qu'une musique puisse te pousser à t'informer. C'est vraiment hallucinant. Tu vois, quand tu écoutes de la techno, voilà, tu écoutes du métal et tout ça, mais le rap, ça te pousse, voilà. À chaque chanson, tu peux aller faire des recherches, quoi, sur les thèmes qui sont employés quasiment presque. Donc voilà, c'est. Et puis là, j'ai pris une claque, franchement. Franchement, c'est monumental. Cette chanson-là, elle est monumentale. Je crois que je la remettrai un petit coup à la fin. J'hésite. En fait, à la fin, j'aimerais bien remettre une petite chanson, mais alors laquelle? Voilà, il y a le Crépuscule des idoles, évidemment, qui est vraiment très bonne. Et dissident. Laquelle m'a plus choqué? Je pense que celle qui m'a le plus choqué, c'est le Crépuscule des idoles. On la remettra un petit coup après. Celle-là, c'est bien pour ça qu'elle est en 8, hein, c'est qu'elle est un tout petit peu en dessous. Mais voilà. Donc là, vous allez découvrir Matzink si vous connaissez pas, et ça va vous faire plaisir, je pense. Ça va pas vous décevoir. J'en mets mon cachet. J'ai mon cachet, je valide déjà d'emblée. Donc vous avez fait la découverte avec moi de. Bon, moi je connaissais, mais j'avais oublié un petit peu son flow. Et là, je m'aperçois qu'il a une plume sympathique qui me fait penser un petit peu à du mystique. Pas du mystique, du Fessal. Fessal, c'est un rappeur, je crois qu'il vient aussi de cette région-là, me semble-t-il. Je crois qu'il habite pas loin et tout. Et que c'est un peu dans ce style-là. J'aime bien, c'est les mecs un peu, vous savez, qui peuvent. Très bon dans le narratif aussi, hein, qui peuvent vous raconter des histoires, ils peuvent vous balancer, vous faire venir en 1940, etc. C'est des gens, voilà, ils ont la plume, voilà, ils ont le truc. Donc sympa. Donc là, on va passer à la 10.
J'ai aperçu les plaines désertées et verdoyantes, là où je n'entends plus les blagues de cette tristesse foudroyante, émanant du macadam, de la folie du béton. Nos âmes sont en silence et c'est ainsi que nous coulons. J'ai vu l'abandon des villes, de ces vices, de ces boules aux serviles, pour se tourner vers nos filles et nos fils. Tout ce que la nature nous offre, faut leur apprendre à le voir, ne pas les décevoir en courant après faux espoirs. Tout s'écroule, les masques tombent, soumis à ces goules, guidés vers la colombe. C'est nous le plus grand nombre, alors qu'ils aillent se faire foutre. On a bien vu la poutre dans leurs yeux et nous en courbe. Ils nous incombent de fonder l'alternative, et sache que les plus grandes conquêtes sont collectives. Le jour d'après c'est le vôtre, il y a tant de choses à bâtir, de zéro repartir, cet avenir c'est le vôtre. Léchons nos larmes et refermons nos plaies, aiguisons nos larmes pour faire advenir la paix. Juste un peu de volonté avant d'ouvrir les yeux, le temps nous manque pour sortir de ce cercle vicieux. Et je me prends à espérer de voir ce pays changer, un peu de solidarité, de fierté bien placée, déplacer des montagnes en changeant le paradigme. Le bien de nos bourreaux reste pour moi une énigme. Et je me prends à espérer de voir ce pays changer, un peu de solidarité, de fierté bien placée, déplacer des montagnes en changeant le paradigme. Le bien de nos bourreaux reste pour moi une énigme. Peut-être que je suis fou, ce que j'aimerais être naïf. Ce que j'aimerais être naïf. Moi aussi, c'est exactement ça. Franchement, ce gars-là, je me sens trop connecté avec lui. Mais pour vous dire, même, j'ai besoin de lui. C'est comme un pote, c'est comme un grand frère qui m'aide au travers de ses chansons à traverser ce monde, en fait. Après, j'ai besoin, c'est ma cam, je suis drogué, je suis addict. J'ai besoin de lui, quoi, parce que c'est... Déjà parce qu'on en a peu, des gens comme lui, dans le rap, et qu'il est unique, en fait. Chronique, il est unique. Je sais pas, il a ce... Quand il rappe, on a l'impression qu'il vient du fin fond de je ne sais quoi. En fait, il paraît méga underground, en fait. Et c'est ça qui me plaît vraiment, c'est que c'est hallucinant à quel point... Il représente l'underground, il le personnifie. Il personnifie l'underground. Et moi, j'avais peur aussi que plus j'allais le découvrir, plus j'avais peur. Parce que avant, je le connaissais qu'au travers de 1984 et je voyais pas des clips de lui, tout ça. J'écoutais juste les albums de 84. Moi, j'écoutais ça en boucle. 1984, le groupe qu'il avait fait, j'écoutais ça en boucle. Et j'avais peur parce qu'après, je me suis dit, s'il commence à faire des clips, des machins, on va commencer à le découvrir. Et j'avais peur. Et finalement, non. Le mec, il est resté serein. Des fois, il te balance une photo sur Insta, il te fait un truc, mais en fait, finalement, il reste une incarnation parfaite de l'underground. Et on sait que derrière, c'est pas manipulé par une bonne maison de prod. On sait que derrière, il n'y a pas une volonté de... Voilà, avec sa musique, il doit pas gagner des milliers des cents. Et ça, quand tu es dans un délire comme ça, c'est parfait. Donc, pour information, l'album est produit par ELR. ELR, je sais pas comment on dit, pardon. Donc, healer, peut-être, je sais pas. Il faudra que je repose la question. Voilà, c'est du bon boulot. Là, regardez, je vous encourage à aller acheter l'album. Il vaut, en numérique, 6,50 €. Le disque compact vaut 9 €. Et je pense que, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, un jour, je vais craquer, je vais acheter tous les CD que je pourrais. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous connaissez pas, vous vous dire putain, c'est vrai, je suis passé à côté d'un truc quand même. C'est vous êtes comme moi, un mec qui a plus de 30 ans, bon dans mon cas j'ai plus de 40, mais bon, je préfère dire plus de 30 ans, ça me fait moins mal. Mais si vous êtes comme moi, dans les plus de 30 ans, les mecs qui ont connu l'époque du bon hip-hop, etc., machin, voilà, ceux qui avaient kiffé 7, le gouffre, l'animalerie, les trucs comme ça, les plus lointains dans le temps, il y avait Assassin. J'avais envie de vous dire aussi, peut-être, il n'y a pas longtemps, je me suis remémoré à un groupe qui s'appelait Timidé sans complexe. Et franchement, moi je viens de là. C'est là que je viens. Tu vois, des mecs qui sortent du ghetto avec la rage. Je veux dire, quand tu t'entendais la Timidé sans complexe qui te disait c'est le feu dans le ghetto, tiens, d'ailleurs, je vais vous faire écouter. Si vous ne connaissez pas, pour voir d'où je viens à mon époque, en fait. Vous allez voir un petit peu l'ambiance. Ça va faire une petite aparté dans cette découverte d'album.
Donc timide et sans complexe. Voilà, ça, vous allez voir ce que je veux vous dire. Ça, c'est 95, voilà. Ouais, 3 minutes. Voilà, c'est ça l'époque. L'époque, elle était telle quelle. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Voilà, ça faisait mal. Et tous ceux qui sont contents justement de revivre tout ça, parce que ça n'aurait jamais dû s'éteindre en fait. Il n'y a pas de raison valable. J'arrive pas à comprendre pourquoi le rap s'est autant embourgeoisé. J'arrive pas à le comprendre. Il n'y a aucune explication. Il devrait y avoir un underground bouillant, mais des feux dans le ghetto, il devrait y en avoir à toutes les portes en fait. Je comprends pas pourquoi il y a si peu d'engagement dans le rap. Je sais pas. Aujourd'hui, maintenant, ils veulent tous percer, je sais pas. Là, on a quelque chose de pur, c'est du bon, et on va se remettre avant de partir. Moi, je sais pas quoi dire. Moi, vous savez, je suis pas un grand connaisseur de rap. J'écoutais du rap, point. Donc, moi, je suis pas Laurent Boyer, je suis pas Cachin, je sais pas qui. Moi, si vous voulez, j'ai pas les mots pour vous décrire la science qui se cache derrière tout ça. J'ai pas la capacité de vous expliquer comment eux, ils arrivent à délivrer un tel truc. Parce que quand t'écoutes, toi, derrière, ça a l'air facile. Tu dis, ouais. Vas-y, fais-le. Ah ouais, ça a l'air facile ce qu'ils font. Bah vas-y, fais-le. En plus, à délivrer des albums, décembre 2019, redélivrer un album en septembre 2020, croyez-moi qu'il y a énormément de boulot derrière tout ça. Et ben, ça mérite que même un gars comme moi, bah, moi, c'est la première fois que je fais une première écoute d'album. Et voilà, c'est parce que c'est ça qui m'a donné envie d'en faire une. Vous voyez, en fait, je crois qu'il y a toujours une œuvre qui vous pousse à faire quelque chose. Donc, Chronique, c'est l'artiste qui m'aura poussé à faire une vidéo de première écoute, alors que je ne me sens pas du tout comme ceux sur YouTube qu'on peut voir qui font des premières écoutes et qui sont bons. Tout simplement, ils s'y connaissent. Quand tu les écoutes, ils s'y connaissent en musique, etc. Et puis, ils ont une culture beaucoup. Moi, j'aime le rap, mais je passe pas mon temps qu'à lire des magazines de rap et je passe pas mon temps qu'à faire des recherches sur ce sujet. Ce qui fait que. Des fois, je pense à un nom, je mets du temps à m'en rappeler, je galère et tout, voilà. Et pourtant, je m'occupe d'un site de rap qui s'appelle rap.com, mais je veux dire, c'est pas mon activité principale, ce serait vous mentir. Donc, je sais pas comment vous expliquer, mais je me sentais obligé, en fait. Je me sentais obligé de faire cette vidéo. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Quand on aime le rap, voilà, c'est l'amour du rap. Ce qui me fait faire cette vidéo, c'est simplement l'amour du rap. C'est l'amour du rap que j'ai connu et qui m'a fait tenir face à l'éducation nationale, face à la police, face aux haines raciales, les tensions raciales qu'il y avait dans mon quartier, il y avait des trucs de ouf. Mais c'est pareil, quand tu vis tout ça, tu as besoin de quelqu'un, d'une épaule sur qui te reposer. Moi, à l'époque, c'était les NTM, les machins, je les écoutais, ils me donnaient l'index de m'en sortir, ils me donnaient l'index de pouvoir lutter. Et là, aujourd'hui, c'est pareil, on en a besoin. Aujourd'hui, nos libertés sont confisquées. Jusqu'à quand? On ne sait pas, on ne sait plus rien. Ben, heureusement, on sait qu'il y a une adresse. C'est l'anomalie bandcamp.com. C'est un phare dans la brume. Voilà. Allez, on remet le crépuscule des idoles. Et là, je vais être vénère. Putain, quel instru, mais quel instru! Oh là là, ça fait frissonner ça. Hein. La guerre. C'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Ah oui. L'ignorance, c'est la force. Voilà que nos rêves virent au cauchemar, sans le vent qui se lève, avec lui les revanchards, ceux pour qui le mensonge n'est plus permis. La fin des idoles qui ont bien trop servi, la soupe aux dominants, depuis leur piédestal, s'imaginant intouchables, bien à l'abri des balles, crachant sur les.
Oh, Christophe Barbier. Nos flammes qui créent la foi dans les ruines de nos vies. Pour diviser, y'a du monde, avenue de l'Opéra, qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je concrépuscule des idoles. Pour diviser, y'a du monde, avenue de l'Opéra, qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je concrépuscule des idoles. Ça fait les gros titres et c'est le lavage de cerveau. Ce qui te réveille, c'est le coup de gueule de Jean-Pierre Vernaud. Grâce à tes impôts, tu regardes Arthur vers le vitre. Tout comme un agneau, tu t'assommes avec tes litres. Crépuscule de la conscience, et gloire à l'idiot aussi. Apolline de Malherbe et le tarpin à son génie. Apolline de Malherbe, oui. Attention à ce que tu dis, on va t'apprendre à raisonner. Cloué au pilori pour des paroles interdites. Brut agibus, c'est conflit qui les excite. Et va-t'en guerre comme des HL qui s'expriment librement. Je viens tranquillement poser la question de leur financement. Pour diviser, y'a du monde, avenue de l'Opéra, qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je concrépuscule des idoles. Pour diviser, y'a du monde, avenue de l'Opéra, qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je concrépuscule des idoles. J'ai bien vous compris, alors j'ai jeté ma télé. C'est pas Anne-Sophie Lapix qui va m'informer. Des chiens de berger pour des bêtes de pavlov. France TV vous veut du bien, des certitudes seront stop. J'ai pas de son à recevoir de Patrick Cohen. Y'a Wax, Zemmour et leur troupeau de hyènes. Je crois bien que j'en aime encore, ces sujets de leur maître. Et je vois bien qu'ils s'entendent au sujet de nous la mettre. Insulter les Français, c'est ça leur fond de commerce. Du média aux un rock, ça se garde de controverse. Notre jour viendra, sache qu'ils redoublent nos griefs. Car ils ont tous des gueules de traîtres comme Roudel Krief. Pour diviser, y'a du monde, avenue de l'Opéra, qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je concrépuscule des idoles. Pour diviser, y'a du monde, avenue de l'Opéra, qui a cours pour faire ta propagande au vitriol sur toutes les chaînes dont tu disposes. Car il faut que tu y crois pendant que je scrute le soleil, je concrépuscule des idoles. Have a good mentality.